Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode sur Overwatch. Je découvre avec vous la cinématique d'intro pour cet événement. Nous étions toujours loin de vivre en harmonie. La construction. Ce n'est pas Zenyatta. Nouveau foyer pour les robots. Attention. Constituer le premier pas vers une amélioration des relations entre humains et Omniac. Mais l'espoir fut de courte durée. D'accord. Les extrémistes du secteur 0 ont attaqué King's Row par surprise. Ils ont pris le contrôle de la zone et causé des centaines de victimes, des milliers de déportés. Maintenant, les robots pourchassent les derniers survivants. Nous sommes peut-être à la veille d'une nouvelle guerre entre humains et Omniac. C'était il y a 7 ans, je rappelle. Le commandant Morrison a envoyé son équipe d'élite libérer la ville. C'est ma première mission et ma seule chance de sauver mon foyer. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Voilà, événement PVE. On a déjà perdu. Bah écoutez, moi j'ai bien envie de prendre Reinhardt du coup. Barduk, je suis désolé. Et moi je suis un main Reinhardt. J'ai mon marteau. Hi team. Hello. Hello. Bref, on va essayer de découvrir la chose ensemble, chers amis. On verra bien ce que ça va être, ce qui va se passer, tout ça, tout ça. On est en normal, hein, je. Hop. Ok. Évite de foncer tout seul dans le tas. Ça m'était passé par l'esprit, capitaine. Ouais, moi, et maintenant, j'ai toute votre attention. Lancement du piratage. D'accord. Près du terminal jusqu'à la fin de l'opération. Ok, ça me semble intéressant. Le secteur 0 approche de votre position. C'est parti. Tourelle. Ah putain, c'est lui qui tape sur le truc. Ok. Allez, vas-y, tape. Parfait. Crac. Crac. Ah non, c'est pas lui qui tape. Je sais pas compris pourquoi il a fait ça. Je sais pas, je connais pas trop le... l'event, hein. Ok. Crac. Ok. Je prends de l'armure. Allez, vas-y, Tracer, vas-y, vas-y, vas-y. Je peux pas les prendre? Ok, bon bah c'est bon. Premier point atteint, la suite. Capitaine Amari, donc c'est Anna, c'est génial. Alors moi je rêvais d'un event PVE, hein, faut le dire. Hein. Et je suis très heureux de le voir. D'accord. Ok. C'est con ça. Bien, c'est ici qu'il faut qu'on aille. Ok, allons-y. Wow. Ok, ça se passe plutôt bien. C'est bon. Bon, bah, c'est pas si mal. C'est extrêmement simple jusque là, mais. Les attaques pourraient surgir de toutes les directions. Oui, donc. D'accord, vous spawnez. Ok. Putain, les ombres m'inquiètent. Vous en sortez, les filles? Hop, on se sert de la cabine. Pops, je sais plus qui c'est, Pops. Je sais plus qui c'est, Pops. Ok.
Ok. Tout le monde s'en sort derrière. Ok, bon. On va bien voir ce que ça vaut. Mais jusque là, c'est pas très très dur. Alors comme je sais... Voilà. Crac. Ok. Ok. Je suis un gros débile avec un marteau. Ok. Ok. Bon bah... Alors je vois que le truc ne charge plus. Est-ce qu'il faut qu'on soit dedans? Putain, il faut qu'on soit dedans. D'accord. Bon bah ça aura pas été extrêmement dur. Ah d'accord. Bah apparemment oui, regarde. Ah, il y a un pélo dans suite, génial. Génial, génial. J'adore, je suis fan. Apparemment faut que je reste là. D'accord, ok. Je capte. Vous croyez vraiment que ça va marcher? Évidemment, c'est moi qui l'ai fabriqué. Ça c'est génial. Ça inspire confiance, pas vrai? Les unités du secteur 0 à droite de ma position. Allez, on avance. Comment ça se fait qu'il avance pas? Ils ne sont pas très résistants, mais leurs attaques... Défendez le convoi. J'ai pas le temps d'arriver. C'est nul. D'accord. Le rôle de Reinhardt est détruire les boucliers des éradicateurs. Ok. C'est sympa. D'accord, et t'auras pas pu le préchauffer avant ? Il est prêt à avancer ? Préparez-vous à une nouvelle vague d'attaque. C'est quoi cette merde? Oh! Crac! J'ai entendu. Ok. D'accord. Je crois que je commence à comprendre comment ça marche. D'accord, un pépin. C'est sympa, j'aime beaucoup. Ça, c'est le genre de donjon que j'apprécie, vous voyez. Ah oui, carrément, des bastions maintenant. Enfin, déjà, j'aime pas l'emploi du terme des bastions. Si on avait un Lucio.
Et les menaces sur le point. Ok. 1 minute restante. C'est pas si mal. Par contre, ouais, Reinhardt a pas du tout besoin du shield en normal. Je suis désolé, mais là... Je suis là pour frapper avec mon marteau. Allez, meurs! C'est bon. Quoi? Tu veux bien mourir, Bastion? Merde, c'est pas ce que je voulais entendre. Ok. D'accord. Crac. C'est bon, on peut y aller. Ok, go. C'est sympa, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Et finalement, je trouve que l'aspect... Le payload à des points de vie n'est pas une si mauvaise idée. Et ça pourrait rajouter un petit côté... Il suffirait de pas grand chose, vous voyez, pour créer un mode... Un mode PVE. Des OR-14. The fuck, il y a un petit bastion en fait, mais qui fait pas de dégâts. Crac. Ils m'en veulent, hein. Putain, il a des PV ce truc, hein. Par contre, il est pas hyper méga offensif. Non, tu recules, désolé. Ah là, là on a du vrai challenge qui arrive. Enfin pas en normal, mais je sens que la difficulté aurait été différente. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là par exemple, vous voyez sur les bastions comme ça, je devrais... Je devrais... Il n'y a même pas de tab dans ce mode de jeu, c'est rigolo. Voilà. Crac. Papapapin. Papapapin. Ok, le payload. Ah, y'a pas de friendly fire. Derrière mon bouclier plutôt. Ah vraiment, merci pour cette preuve de confiance. Tuer toutes les... Putain, d'accord. Ok. Je l'avais lancé un petit peu trop tôt. Je tank, hein, littéralement, mais comme un tank de DPS. Enfin, de MMO, pardon, justement.
ça fait rien. Ok. Oh. Dire qu'il y a une époque, il avait pas de précharge. Hop. Je regarde les points de vie de ma hanche qui tente de faire des choses. Voilà. Problème résolu. Enfin bon, c'est pas extrêmement compliqué en normal, hein. Clairement, je m'attendais à beaucoup plus complexe. Alors du coup, il y a un POTG. Je suis curieux de voir ce que c'est finalement. Stunks. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Meilleur moment de sa vie. D'accord, il a dû enchaîner quelques kills, j'imagine. Et comme on voit pas les kills... Ah si, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, bah bon, ouais, c'est sûr, ça. C'est sûr, le plus souvent, ça va être Torbjorn qui va l'avoir, parce qu'il peut enchaîner un nombre de kills complètement incroyable avec cet ult. Ah, on est une super équipe, on se donne les points. Donc je dis que c'est bien, et je me mets un point. Voilà, fuck you, bitches. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Merci. Bah voilà. Ah bah voilà, je suis celui qui a tué le plus de Vekimelite. Mais bon, ça doit être normal à mon avis, hein. Par contre, je suis même pas premier en termes de kills. Ce qui veut... J'ai même pas la médaille de bronze. Ça veut dire que... Ça veut dire... Et c'est là où je pense qu'il y a un problème. Que... Oh, j'ai fait plus de kills que moi. Je suis pas tout à fait convaincu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Que dalle. D'accord. Ah, puis vraiment que dalle de chez que dalle. Hein. Il me faut encore 10 fois ce que j'ai actuellement pour... Eh bien, oh pardon, c'est pas ce que je veux faire. Hop. Pour trouver une possible récompense intéressante dans la boutique à acheter en tout cas. Je vais réussir à dire ce que je veux. Ça me faut 3000 points pour acheter une skin légendaire. Voilà, point barre. C'est rien des plus loin. Eh bien, écoutez, chers amis, nous, on va retourner dans le mode, mais cette fois-ci avec le full heroes, hein, tous les héros. Et on ira choper ce deuxième coffre. Et on se retrouve ensuite pour une petite vidéo explicative. Donc cette vidéo-là, c'est une vidéo sur le mode classique de l'insurrection. Ensuite, on aura une vidéo sur le mode tous les full heroes de l'insurrection. Donc, c'est la prochaine. Ensuite, une vidéo sur ce qui va changer sur cette série. Et une vidéo classique ensuite. Voilà. Donc, les gens, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, les gens. Et yop!